Pourquoi est-ce qu'on signe à San Jerez? Comment on fait pour ne pas signer à San Jerez? C'est ça la vraie question. Nous, chez Ares, notre but, c'est de développer les talents de l'Afrique, développer les talents de l'Europe. Et aujourd'hui, Hassan est un acteur principal sur le monde du sport de combat. Félicitations et bienvenue. Il a commencé la boxe anglaise à l'époque au Cameroun et il a prouvé au monde entier qu'il pourrait arriver au plus haut niveau. Et je pense que son idée de commencer le MMA, c'est de prouver au monde entier qu'il peut arriver au plus haut niveau. Je suis persuadé qu'il cherche la place de numéro 1 dans sa catégorie en tout cas. Je suis issu de la boxe anglaise. J'ai été initié dedans à l'âge de 6 ans par mon papa. J'ai été champion du Cameroun, champion d'Afrique. Participation aux Jeux Olympiques à Athènes. J'ai passé ma carrière professionnelle en France donc depuis 2004, donc où j'ai fait plusieurs championnats du monde, WBA, WBO, IBF et WBC Silver. Pour ma première signature, je suis allé chez Ares tout simplement parce que il faut signer avec les grands. Ares pour moi, en MMA en France, c'est les meilleurs. J'ai besoin d'être entouré des meilleurs. Signé chez Ares, personnellement, si moi je n'étais pas déjà à l'UFC, Ares serait ma première cible. Le MMA en général en France va prendre vraiment une grosse place sur la scène publique. Pour Ares, nous avons l'ambition d'être un acteur majeur du MMA en France et en Europe. Nous travaillons justement à la structuration d'une ligue qui va permettre à la filière de développer à la fois des champions, de présenter au monde entier, à la France, les magnifiques talents et les talents que nous avons.